Présentation de Scrabble Knots Unlimited. Veuillez voir cette vidéo jusqu'à la fin pour vous prouver que ce jeu est un des meilleurs que j'ai jamais joué. Enfin, mon avis quoi. Merci et bon visionnage à tous. Salut tout le monde, c'est Wizard et aujourd'hui je vous parie un cadeau d'un jeu indé sur mon groupe Steam pour les 20 membres que ce jeu va vous plaire. Et vous allez voir pourquoi, je vous demande juste de pas quitter juste parce que ça a une apparence enfantine pour gamin et tout. Mais non, pas du tout, c'est fait un peu exprès. Ce jeu est comme un Minecraft, au début on peut se dire oui c'est un Lego, mais non pas du tout, c'est vraiment fait exprès. Et beaucoup de gens adultes simplement, dans une tranche d'âge de 12 à 40 ans, ils jouent donc tout simplement. Donc ce jeu n'est pas encore disponible pour l'Europe, j'ai dû passer par Amazon et l'activer via Steam pour y jouer vu que c'est seulement les États-Unis qui peuvent y profiter. Bon, j'ai questionné mon network si je pouvais vous faire cette vidéo, ils m'ont dit pas de problème vu que c'est sorti aux États-Unis. Donc on va continuer, j'ai voulu prendre ce moment de sauvegarde. Donc nous voici, nous sommes Maxwell, ce petit bonhomme là. Donc on va monter en haut. Donc ce but du jeu en fait c'est de pouvoir écrire ce qu'on veut. Par exemple on va faire spawner un vélo. Merde, non pas un écolo, un vélo. Voilà, tac, on y monte et wouhou. Donc après on peut toujours rajouter un adjectif pour pouvoir le rendre spécial. Donc hop, il vole ce vélo. Donc voilà, et puis on peut aussi rajouter un adjectif pour Maxwell. Donc on va le dire qu'il est décapité. Hop, il a plus de tête. Donc voilà, ça c'est assez sympathique, c'est vraiment le but du jeu. Donc après au niveau de l'histoire, je vais pas vous spoiler. Si vous voulez, je vais faire un let's play dessus si je reçois beaucoup de feedback en retour. Donc on va juste lui faire retrouver sa tête. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire qu'il est beau, voilà. Quoi? Oui c'est vrai parce que quand on est beau on a une sorte de casquette. C'est juste Maxwell que j'aimerais qu'il soit beau. Décapité, non, je veux qu'il soit beau. Voilà, il a un petit chapeau un peu à la... C'est pas les juifs mais c'est les pionniers qui avaient ce genre de chapeau, les Amish. Donc voilà, assez beau gosse. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aider les gens. Donc lui par exemple, qu'est-ce qu'il a? J'ai besoin d'un outil utilisé par mon corps de métier afin de régler définitivement cette controverse. Donc un pirate, lui il a besoin quoi? D'un crochet je dirais. Il a besoin d'un crochet niveau arme, ok. Tiens. Donc voilà, j'ai réussi. Ce qu'il avait besoin c'était un crochet d'un côté ou de l'autre, voilà. Tac, lui il a besoin de quoi? Bon, un viking il a besoin de rien. Donc on a toujours ce petit bouton là qui permet de voir que les gens ont besoin d'une... Quelle personne a besoin d'aide, quel objet a besoin d'aide, quel animal a besoin d'aide. Donc hop, on va enlever ce mode, concentration du joueur. Lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Donne-moi un objet dans lequel je peux me cacher pour pouvoir m'évader. Qu'est-ce qu'il pourrait se cacher en costume de pirate? Non, on va essayer habit de... Non, pas de habit. Habit de pirate. De pirate. Ah, je peux pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Chapeau de pirate. Ah, tiens. Ça marche ou pas? Non. Donc, donne-moi un objet dans lequel je peux me cacher. Ah, un objet, carrément. Bon, on peut mettre un coffre. Coffre en métal. Cache-toi dedans. Ah, voilà, il s'est caché dedans. Donc, lui, il va aller chercher son coffre. Donc, il s'évade. Donc, ça, c'est en fait, c'est une suite de quêtes. Donc, je vais faire ça à la fin. Donc, lui, il a besoin. Donne-moi quelque chose que je puisse confectionner, une jambe de bois. Bah du bois. Bois, construction. Tiens. Voilà, jambe de bois. Vraiment libre, on peut aussi créer des objets, donc auditeur d'objets, donc je vais pas le faire parce que voilà. On a même un petit truc, donc ce jeu est complètement en français. Donne-moi quelque chose à manger qui prévient le scorbut. Bon, on va lui donner une pilule. Pilule, voilà, ça s'écrit comme ça. Tiens. De rien. Voilà, 5 fruits et légumes par jour. Donc toujours les petites références assez marrantes. Lui il a quoi? Donne-moi quelque chose pour nettoyer le canard. Une brosse. Brosse hygiène. Tiens. Voilà, nettoyer le canard, ça c'est fait. Lui il a besoin de quoi? Informaticien. Empêcher le piratage sur internet. Qu'est-ce qui empêcherait le pirate sur internet? Anonymous. Anonyme.
Il est vivant. Non, c'est pas ça. Donc on peut toujours supprimer les objets. Un masque. Déguisement. Anonymous! Tiens, on va le retirer. Non, pas sûr. On va retirer ça. Tiens. Yeah! Donc, qu'est-ce qui pourrait en police? Qui pourrait empêcher. Non. Policier. Ah, j'ai oublié un i. Ah, c'est. Ah, il lui tire dessus! Ah, c'était ça, un autre type de piratage. Ok, policier. D'accord. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Nous avons besoin de quelques pièces pour jouer à un certain jeu. Échec. Non. Échec. Nous avons besoin de... peut-être un pion. Pion rond. Non, pas ça. Un pion. Figurine. Ouais, mauvais perdon. Elle pète un câble. Elle a blessé le canard. Il commence à se battre. Lui, il est mort. On va monter en haut. Tac. Qu'est-ce qu'il a besoin, lui? Non, pas lui. Non, non, celui-là plutôt. Oh, rien. Attendez, on va activer le petit truc, ça. Donc, c'est édité par Warner Bros, il me semble. Si j'ai bien vu le truc de début, je suis désolé si je suis pas sûr, mais bon. Donc, bon, j'ai besoin d'atteindre en haut. J'ai la flemme de trouver un passage. Donc, on va faire un jetpack. Tac. Donc quoi? Nous manquons de munitions. On place quelque chose dans le canon. Un canard. Ça marche! Oh, il a envoyé un canard. Donc là, on a quoi? Créer un nouvel équipage pour le bateau pirate. Ok. Pas mal la musique. Franchement, la bande-son est énorme. C'est une des meilleures bandes-son que j'ai jamais écoutées. Franchement, énorme. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je crée un équipage. D'accord. Sans problème, mon ami. Ce tir au flanc a hérité d'un bateau pirate vide. Aide-le en créant un équipage. Un équipage. Place d'abord quelqu'un en ayant de l'expérience en navigation à la barre. Un marin. Pirate. Ouais. Ensuite, là, il a quoi? Maintenant, on a besoin de quelqu'un pour gérer le trésor. Quelqu'un qui est bon en l'argent. Économiste. Oui, c'est juste. Défendre le bateau qui est une priorité majeure. Place d'Amérique. Un militaire. Moderne. Yeah, Epic Win. Qu'est-ce qu'il a besoin maintenant? Un cuisinier. Cuisinier. Tac. Non, pas l'intérieur. Non. Oh, chier. Bon, on va refaire un autre cuisinier. C'est des cannibales. Ils vont pouvoir cuisiner un cuisinier. Tout simplement. Hop. Voilà. Ah. Ah. C'est ressorti un autre cuisinier. Alors, comment peut-on avoir un bateau pirate avec un cachot vide? Place un captif dans la prison. Est-ce qu'on peut mettre Obama? Non. C'est vrai qu'il peut. Ils ont précisé que tous les autres trucs copyrighted et tout, ils ne peuvent pas mettre. Donc, ne mettez pas Donald Duck, ça marchera pas. Par contre, le workshop est activé dans ce jeu, donc il y aura toujours du nouveau contenu à chaque mise à jour. Donc ce jeu n'est pas fini en fait, on va dire simplement, comme Minecraft, il y aura des mises à jour et tout, ils vont rajouter des objets. Donc on pourrait mettre un viking. Viking, oups, voilà. Ouais! Avec un bourreau! L'équipage est presque complet, place maintenant dans le nid de Pi quelqu'un qui sait naviguer. Capitaine. Hop. Ouais. Epic Queen. Qu'est-ce qu'ils font? Ah voilà l'étoile. Alors attention, vous allez voir quand l'étoile va tomber. Damn. Yeah. Epic Queen. Où puis-je trouver des marins complétés? Voilà. Donc on a maintenant 34 starites. En fait, c'est les étoiles en fait simplement. Donc là, ça c'est bon. Je crois que c'est son frère d'ailleurs. Hop. C'est bon. La mouette, elle a quelque chose. Ah oui, je ne serai jamais accepté en tant que perroquet. On pourrait lui rajouter. On peut d'abord le bichonner. Tiens, t'es un gentil perroquet. Comme c'est chou. On pourrait ajouter un adjectif. On pourrait mettre. Pirate. Yeah! Perroquet de remplacement.
Ok, d'accord. Donc là, on a une autre quête. Simplement, c'est ouais, une sorte de quête. Voilà, c'est une sorte de quête qui nous permet d'avoir un peu plus de sorte de starites. Donc là, on a quoi? Des morts-vivants. Donc vraiment, ce jeu n'est pas spécialement réservé, comme j'avais dit auparavant, aux jeunes, parce qu'il y a, on peut spawner des fusils et tout, on peut tuer des gens. Ça peut être parfois malsain, mais assez marrant. L'équipage a été maudit, il donne à chacun quelque chose qu'il aime. Le guerrier du groupe apprécierait beaucoup les armes médiévales. Ok, donc on va prendre une hache. Tiens. Ça c'est le... Non, 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 je me suis trompé, tiens. Hop. Voilà. Prends, voilà. Une arme médiévale, c'est ça, non? C'est bien le bureau, lui. Est-ce que je me serais trompé? Donne une arme médiévale au guerrier de notre groupe. C'est lequel? C'est celui-là le guerrier? Ouais, une arme médiévale. Qu'est-ce qui est médiéval, hein? Une pique. Pique, arme pointue. Tiens. Une épée. Combat. Tiens. On va épée. Médiéval. Combat. Voilà. Quoi? Il y a toujours une petite tête qui arrive. L'ami osseux veut une arme tranchante. Oui, c'est une arme tranchante, une épée et une hache, c'est aussi une arme tranchante. Bon, on va mettre tranchoir. Trancher. Trancher vide. Ah! Non, bon, qu'est-ce qui pourrait perforer? Une hache médiévale. Bordel. Bon, c'est pas ça. C'est pas non plus ça. Bon, qu'est-ce que ça pourrait être? Si c'est pas une hache, c'est... Une arme médiévale, mais ils avaient quoi? Ils avaient des haches à l'époque. À l'époque médiévale, ils avaient des épées. Une dague. Bordel. Oh, une nouvelle aide. Lève la malédiction donnant une épée au squelette. Mais c'est ce que j'ai fait. Ah, au squelette, c'est lui qu'il fallait que je donne. Ah, ok. Bon, on va mettre une épée magique. Non, pas une épée magique. Une épée. Une grande épée. Machin, il sera plus grand que lui. Combat. Voilà. D'accord, c'était au squelette qu'il fallait que je donne. Voilà. Yeah! Epic win. La première malédiction a été levée. Le marin suivant aimerait sa barbe. Et presque imberbe. Bon, bah, une barbe. Non, une moustache. Cuir moustache! Moustache longue! Tiens. Yeah! Bien joué, une autre malédiction a été levée. Le marin suivant adorait son propre reflet, mais la malédiction lui a pris son corps. Montre-lui de quoi il a l'air. Ok. Miroir. C'est lequel? C'est celui-là. Tac. Yeah! Trois malédictions sont levées. Le marin suivant était le plus malin de la bande, hélas. De la bande. Hélas, la malédiction lui a ôté son cerveau. Utilise le calepin pour le rééduquer. On va lui donner un professeur pour le rééduquer. Supérieur. Ouais! Le capitaine du bateau est le dernier à être maudit. Réunis-le à Poli. À Poli. On va lui donner un perroquet. Yeah! Merci, je ne suis pas maudit, je suis un vrai pirate fantôme et tu es sur notre vrai bateau, pirate de fantôme, yaha! Enfin bref, donc voilà, ils vont nous donner une starlite, ce qui va pouvoir continuer notre progression et débloquer de nouvelles zones. Hop! Donc voilà! Ta 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 ta! Alors, équipage maudit! Voilà, non, j'ai 35 starlites, donc j'ai vraiment commencé un peu la partie. On a ça qui nous permet de nous TP au fin fond du truc. Donc voilà, au bout de 40 sterlings, je pourrais débloquer cette zone, 50e celle-là. Et après, ça finirait le jeu. Donc le seul truc dommage que je pourrais donner à ce jeu, c'est qu'on peut pas avoir plusieurs sauvegardes, donc plusieurs parties différentes. C'est qu'une seule sauvegarde, donc ça qui était dommage. Donc je pense finir le jeu, puis après faire un let's play si les feedbacks sont bons. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. A bientôt tout le monde, c'était Wither. Et bien sûr, rejoignez mon groupe Steam qui est toujours dans mes descriptions de vidéos et dans les infos de chaîne. A bientôt tout le monde, c'était Wither. Bye bye.